admire-t-on. Voici les nouvelles. Elles sont dominées par une réalisation extraordinaire des scientifiques alliés, la production d'une bombe atomique. Une bombe de cette nature vient d'être larguée sur une base militaire japonaise. Comment vais-je faire pour vivre maintenant? Dites-moi comment faut-il que je fasse pour continuer à vivre? Ah, mais c'était pas vous qui avez largué la bombe. Puis c'était pas vous qui avez donné l'ordre de le faire. C'est moi qui l'ai rendu possible. Mais c'était pas vous qui l'avez construite. Oh, nom de Dieu, ça, il fallait une volonté pour cela, mais ça n'a pas été la vôtre. Vous n'êtes pas coupable. Sans mon travail, rien de tout ça n'aurait eu lieu. Enfin, 15 jours plus tard, c'était un autre qui faisait la découverte. Ressemblera beaucoup à aujourd'hui. Il y aura dans tous les cas des planqués, des arrivistes, des gens qui essayeront de fuir et dont personne ne voudra, et d'autres qui essayeront de les aider. Je suis en panne d'essence à 2 mètres d'ici. Depuis quand? Depuis 2 ans. Et votre bidon, monsieur, là? C'est un pauvre bidon. J'avais pas vu, mais c'est un pauvre bidon. Actuellement, en effet, oui. Il a reçu des chocs, chocs, chocs. Il y a des trous. Oui. Vous pouvez pas mettre de l'essence dedans? Non, non. Mais non. Dès qu'on met de l'essence dedans, elle s'en va dehors. Mais alors, vous voyez, c'est pas la peine de mettre de l'essence dedans parce qu'elle ne reste... Le monde, ses problèmes, les processus sociaux, économiques, politiques, les courants culturels, les problèmes universels. Ah oui, mais il n'y a pas des mouches. Tiens. Pardon? Allez, tiens, mange. Pourquoi? Pour que tu sais te parler. Nec plus ultra, nourriture universelle destinée aux animaux domestiques. Essayez-le. Vous verrez dans les yeux de votre ami toute l'expression de son amour fidèle. C'est très bon. Oui, bon. Les chiens. Il ne parle pas des chiens, il parle d'amis.